Tout a commencé vers le début de l'année. C'était d'abord des chuchotements. Ça s'est fini en harcèlement. On me dévisage comme un animal sauvage. On m'insulte, on me tape. Tous les jours, on me rackette. On m'enlève ma casquette. Tous les jours, on me pousse dans les couloirs. Je n'arrive plus à me regarder dans un miroir. Sur les réseaux, ils m'ont vu danser. Sur les réseaux, ils m'ont vu m'affirmer. Sur les réseaux, ils m'ont rabaissé. Sur les réseaux, sur le réseau. Sous le préau, sur les réseaux. Sur les réseaux. Sous le préau. Toujours là, sur les réseaux, à me mettre des coups de couteau. Toujours là, sous le préau, à détruire mon ego. En me pointant du doigt, ils se disent tous: je ne veux pas être comme toi. C'est un poison qui pourrit, comme un virus qui nous cherche des ennuis. En voyant les autres ne rien faire, ça m'a blessé. Ils me regardent comme si je les avais attaqués. Tout ceci est bien loin de la vérité. Tout le monde me regarde, mais personne ne monte ma garde. Tout le monde en parle, mais personne ne m'épargne. Triste dans ma lueur emprisonnée, ce poids est trop lourd à porter. Je suis enragée, je suis désespérée par tant de méchanceté. Oppressée, méprisée, détestée, pourtant je n'aurais rien fait. Vulnérable, coupable. Ne sois pas spectateur des oppresseurs. Regarde ce que je subis, ne ris pas de moquerie. Sois un peu plus réactif pour que ça ne soit pas répétitif. Ne te tais pas devant la malveillance, un petit geste a de l'importance. Harcèlement!